Donc alors excusez-moi, ça a coupé, donc j'ai dû télécharger. Donc là on se retrouve pour la partie 2. Qu'est-ce que j'ai fait depuis? Rien, j'ai juste collé le papier là. Voilà, sur la pochette celle-là. Voilà. Donc là, hop, je regarde si ça va. Et donc là, je vais coller ces papiers, voilà, que j'ai découpés ici et en haut. C'est bon, ouais, voilà. Comme ça, ça fait un mélange de couleurs. Voilà, donc bien sûr, là, moi je vous rappelle que c'est avec les papiers qui me restent, hein, donc j'ai pas toutes les couleurs. Vous ferez comme vous aurez envie sur le moment. Hein. Voyons ça. Alors, je regardais que du coup je laisse la même distance entre le noir et le papier là en bas. Donc, hop. J'avais des chutes. Je viens ancrer. Je viens coller. Mais alors là, je vois que là, c'est pas bon. Donc, j'essaye de couper droit au niveau du double face qui dépasse. Et donc là. Je vais faire le haut. Non, on va faire le bas d'abord. Hop. Donc. Je crois là. Je viens coller sur l'autre aussi. J'ancre. Et là, je vais venir coller. Donc pareil. Donc, là, je le mets dans l'autre sens, en fait. Et là, mais non, ça va pas, parce que du coup, il est pas assez. Donc, hop, je fais attention. Et je colle droit. Enfin, j'essaye. C'est pas gagné. Donc voilà, et là je vérifie si tout s'emboîte bien.
Donc voilà ce que ça va donner en gros. Voilà, là en fait du coup je me suis servi du bleu clair pour éclaircir un petit peu, que ça fasse pas trop violet. Voilà, mais j'aime bien le violet bleu mélangé, j'aime bien. Donc c'est une affaire de goût, hein. Donc là je vais venir coller. Alors on va essayer de mettre un peu de colle quand même, parce que sinon ça risque d'être délicat. Non, là j'ai celle-là parce que l'autre, celle-là a été ouverte aussi et l'autre il n'y en a plus, donc on va finir celle-là. Je sais pas ce qu'elle vaut en fait, je sais même pas la différence qu'il y a entre celle-là et l'autre. Là par contre je vois qu'il manque, donc mon angle est mal fait, hop, je viens couper. Et donc là, je viens glisser la pochette. J'essaye qu'elle soit droite par rapport à l'autre. Et on appuie. Voilà. On appuie bien. Voilà. Et je fais pareil pour l'autre pochette. Celle du haut. Ah, je vais peut-être couper là. Les petits angles qui dépassent. Là. J'ai cru que j'avais oublié de couper sur celle-là. Mais bon, au final, ça change pas grand-chose, hein, de toute façon. Là. Là. Hop, hop. Et là, on vient glisser. Toujours pareil. Donc là, j'essaye toujours d'être à peu près droite. Hein. Voilà. Et là. Voilà. Et j'appuie. Toujours pareil. Là, j'y suis un peu. Donc, je rappelle, lingette sèche, et c'est des lingettes de bébé. Moi je me sers de ça, ça va très bien. Donc les trois pochettes sont collées. Maintenant il reste plus qu'à les décorer. Alors pour les décorer, c'est compliqué. Donc, celle-là irait bien ici, elle ressortirait pas mal. Ouais, donc celle-là, je la mets là. Là, toujours pareil après, hein, c'est vraiment au choix. Hein. Vous faites comme vous voulez. Par contre, du coup, je crois que je vais pas la couler en entier. Comme ça, on pourra glisser un tag ou autre chose. Donc, je vais prendre du double face. Ah, j'ai perdu le rouge. Ah, il est parfait. Je vais prendre le rouge, moi, mais après, vous prenez ce que vous voulez. Donc. Je coupe. Je vais en mettre deux épaisseurs.
Mais bon, après, c'est toujours pareil, ça, c'est comme on veut. Hop. Et donc, je me place et je colle. Vous voyez qu'il n'y a rien de plus facile quand même là, c'est pas compliqué. Hein. Je dis ça parce qu'après on me dit oui, non, mais c'est trop compliqué. Mais si, c'est facile, je fais rien de compliqué moi. Ouais, je vais mettre celle-là là. Donc pareil, j'ancre. Après, bien sûr, si vous voulez, vous pouvez le mater en noir aussi. Moi, je ne le fais pas pour des raisons d'épaisseur, parce que si je mets du papier noir dessous, du coup, ça va faire plus épais, forcément. Là, par contre, celui-là, je vais le coller en entier. Parce qu'après, il va y avoir les tags et que j'ai peur que ça me l'arrache. Donc, c'est pour ça que là, celui-là, moi, je le colle en entier. Mais après, si vous le sentez de ne pas le coller entier, allez-y. Hop. Je vais mettre un petit bout au bout. Je vais pas y arriver, décidément. Celui-là, il est bien malheureux. Il est dur à enlever. Donc là, je vois qu'il y a un peu de blanc. Hop. Je le mettrai bien sur le côté plutôt. Ouais. On va le mettre sur le côté. Et là, on pourrait mettre les deux petits là, ce serait sympathique. Je mettrais bien la gorgeous là pour. Mais celui-là. Ouais, celui-là, oui. Celui-là, je sais pas. Donc. Hop. Je viens de coller. Ben là, je vais le couler avec la colle, tant pis. Là. Et là. Voilà. Celle-là est beaucoup plus liquide que l'autre, là. Cette colle-là. Je sais pas. J'espère qu'elle colle bien aussi. Après, ça reste à taquille glu. Hein. Donc, voilà ce que ça donne. Du coup, là, je sais pas trop. Je sais pas ce que je vais y mettre. Ah, celle-là, elle serait sympa. Elle rappellerait un peu le bleu. Ouais, je vais mettre celle-là. Donc alors.
un bout de double face. Je viens ancrer avec la distress noire, hein, bien sûr. En fait, pour ma part, après, vous pouvez faire avec ce que vous voulez. La vintage photo, pas mal aussi. Hein, pour... Avec les gorgeous, moi j'aime bien. Et donc là, hop. Je vais le décaler un peu vers la gauche là. Comme ça, ça fait un peu les un décalé. Donc voilà, ma pochette elle est prête. Bien sûr, on fera les tags après. Donc ça, hop, sur le côté. Et du coup, je reprends hop, mon notebook. Et là, je vais juste regarder. Du coup. Coller avec ça. Non, je verrai plutôt celui-là. Ouais. Avant, je vais coller un bout de papier. Alors, j'avais dit lequel. C'était celui-là. Donc, je viens mettre le double face. Voilà. Hop. Là, je vais prendre ma règle. Je vais le faire à la règle parce que ça devient vite n'importe quoi avec moi. Voilà. Je vais juste arranger un peu l'autre côté parce que je l'ai un peu abîmé là quand même. Donc. Après, ce côté, je le mettrai à l'intérieur, donc ça se verra pas. Je vais faire les angles. Oups. Alors, du coup, je fais les angles de ce côté-là. Je viens ancrer. Et là, je vais venir coller droit. Là, je me suis mis vraiment au bord du papier. Comme ça, je suis sûre que ça tienne par rapport à si je l'avais mis carrément au bord. Hein. Voilà. Donc, je vérifie tout ça. Ça se voit pas, hein, voyez. Le but, c'est de ne pas voir le blanc à l'intérieur. Le seul truc, c'est que là... ça me va pas quand même parce que là c'est un peu trop blanc, donc
Je vais essayer de trouver mon Posca noir. Je vais prendre ma règle. Je vais me mettre bien au bord là. Et là, juste. Non. Il faut l'amorcer. Ou il est peut-être vide hein, en fait. Et là, oh, il est vide. Je viens là, au bord, petit à petit, juste pour que ça fasse pas blanc au bord, au bord. Par contre, j'insiste pas trop hein, au niveau de la là. Hop. Voilà, ça c'est pas grave hein, que ce soit un peu sali, on va l'arranger. De toute façon je vais sûrement y coller du papier, donc c'est pas bien grave. Et donc là je vais pouvoir venir coller ma pochette. Donc on y va. Par contre, là, je vais venir mettre de la colle parce que franchement, en général, je pars de travers. Et que là, je ne pourrais pas le rattraper si je fais que double face. Donc, on va y mettre de la colle. Et je vais venir me mettre le plus droite possible. Le tout, c'est de ne pas dépasser. Et on vient appuyer. Bien fort, fait bien fort. On fait attention quand même de pas abîmer les papiers qu'on a collés déjà. Et là, vous voyez, j'ai l'impression que c'est pas droit. Pourquoi je ne suis pas droite? Bon, je sais pas. Pourtant, je dépasse pas. Bon, hein. On va dire que ça ira comme ça. Si je le décolle, ça va tout seul. Tant pis. Donc voilà, on a une grande pochette et trois petites pochettes. Sachant que du coup, celle d'en haut, elle fait tout ça de profondeur, puisqu'on n'a pas collé le bas. Voilà. Ben on va continuer. Donc alors maintenant on va passer à cette page là. Donc moi je vais coller un papier noir dessus et après je viendrai le décorer. Je pense faire un truc simple à cause de l'épaisseur parce que là déjà voilà, ça va. Mais si je mets de l'épaisseur ici. Et après, au fond, bah, ça risque de bloquer un peu. Donc, je vais recouvrir de papier noir, faire
pareil que là, mais derrière. Donc ça, par contre, je le ferai hors caméra puisqu'on vient de le faire, hein, donc sinon les vidéos va encore, il va y encore y avoir 15 ou 16 parties. Donc je le ferai, mais ce sera exactement le même principe que celle-là. Et après, je viendrai finir ce côté-là. Et je ferai en fonction de l'épaisseur qu'il y aura sur le moment. Donc, je vais juste coller le papier noir. Donc, alors, ça fait du 16,5 sur 24,5. Donc, je viens couper mon papier noir de 24,5. Sur 16,5, on a dit. Voilà. Hop. Je viens vérifier que ça aille. Donc, là, je viendrai mettre du feutre noir. Donc, ça, c'est normal. Je vérifie surtout. Là. Je viens faire les angles, arrondir, puisque là, c'est arrondi. Je viens vérifier. Donc là, en général, ce que je fais, c'est que là, parce qu'il y a un léger décalage entre cette page et les autres. Donc, pour essayer d'être vraiment bien, je regarde. Hop. Hop. Là, moi, ça me va. Donc, je ne sais pas si je fais. On va faire avec le double face. On va voir ce que ça donne. Hop. J'aurais peut-être dû le mettre avant de faire les arrondis. Ça aurait été plus facile. Et là. Donc, eh bien, on va suivre les arrondis. Hop. Je viendrai l'ancrer après. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un côté. De préférence, celui qu'il y a là. Parce qu'après, je vais venir me caler au bord. Bien sûr, là ça va pas, vous allez voir que je vais pas y arriver. Hop. Voilà, et là on va continuer à coller. On peut le faire à la colle aussi. Moi, c'est vrai que j'ai du mal parce que ça gondole un peu. Alors, c'est au choix. Mais avec la colle, c'est quand même mieux. Hein. Si vous gérez la colle, faites la colle plutôt que le double face, 1%.
Bon. Hop. Et là, je vais appuyer. Toujours pareil, hein, j'appuie pas dans le pli. Là. Sûrement que de l'autre côté, je mettrai aussi un papier noir. Ou rose, ou je sais pas, hein, je verrai. Voilà, là par contre, je suis trop loin. Ça, je le verrai après en fait, hein? Ou peut-être je collerai carrément, je m'embêterai pas, je sais pas, on verra. Donc je vais arrêter là pour aujourd'hui. Quand je pourrai hors caméra, je ferai ce côté, donc pareil que celui-là, pour voir par rapport à l'épaisseur. Et puis on va se retrouver pour faire la suite. Voilà, je sais pas quand parce que j'ai pas mal de rendez-vous médicaux et ben demain, donc jeudi et vendredi. Donc je sais pas si je pourrais scraper, continuer. Donc ne vous inquiétez pas si c'est pas la suite parce que là, voilà, peut-être demain, un peu en fin de journée, je sais pas. Je peux pas vous dire. Donc sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Bye bye.